Et je vous reprends, les amis, sur une petite vidéo, les champignons, les grands champignons. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré les petits pois. Et puis après, je vous ai montré le début du tronc. Et je vous montre à partir du 8e rang. Dans la vidéo précédente, on était arrivé avant le 8e rang. Et là, je suis au 8e rang et je vous montre la suite du champignon, le tronc. Et voilà, les 4 petits rangs créés égale 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 rangs. Et on doit obtenir ceci. Alors, je vous montre à partir du 8e rang, on fait le 9e tour et on va créer 6 mailles serrées, une diminution. Et on va faire 3 diminutions dans le rang. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. Cinq, six mailles serrées et six mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir 21 mailles. Une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, et on ferme d'une maille coulée et on doit obtenir 21 mailles rangs. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et une mailles. Alors, avec, quand il nous reste 21 mailles rondes, 21e maille rond, on va créer. Le rang 23. Le 10e rang, excusez-moi. Le 10e rang, on crochette 3 rangs sans diminution.
Donc ici, on vient de faire le 9e rang de 3 diminutions de 6 mailles serrées, 3 fois dans le rang, égale 21e maille rang, 21. Et au 10e rang, on crochète 3 rangs sans diminution, le 10, le 11 et le 12. Et je vous reprends dans une prochaine vidéo après les 3 mailles, les 3 rangs sans diminution. Donc le rang 10, 11 et 12, sans diminution. Avec 21e maille.